Oh,
sacre vita, pur satisfera te cucù. Je ne suis plus qu'un objet.
Et d'une main terrée
Ma chère amie, je vous présente quelqu'un que je ne devrais pas avoir à présenter, car tout l'univers devrait le connaître, c'est Charles Fronval. Un ami, certes, mais il est à la fois le successeur, et c'est tout dire, de Murator, de Franz et de Till. À vous, je pense la joie que vous partagerez avec moi de lui poser quelques questions. En somme, vous me le livrez. Eh bien, Charles Fronval est un grand personnage, il est important. Il est très aimable, souriant, il a les yeux bleus, je crois, s'intéresse toujours les auditeurs et particulièrement les auditrices. Et il est timide devant le micro, il me l'a avoué très simplement lui-même. Dites-moi, Charles Fronval, vous êtes né à Paris ? À La Rochelle. Ah, je suis des Deux-Sèvres, nous sommes presque du même pays. Et vous êtes venu à Paris à quel moment ? Je suis venu à Paris après avoir fait mes études au Capitole, à Toulouse, pour faire le concours de ténor à l'Opéra, où je suis sorti deuxième, derrière Georges Noret, un bon camarade, et ex-aequo avec Patard. Mais Georges Noret était fait pour chanter Gounod, comprenez-vous, les autres ouvrages bien connus du répertoire, tandis que Charles Fronval Modeste oublie de vous dire qu'il était né pour faire Siegfried. Mais il allait nous le dire, justement, Francis Cover est terriblement bavard. En somme, Charles Fronval est un chanteur wagnérien, c'est bien ça. Ah ben, si on veut. Et vous chantez très régulièrement à l'opéra, très souvent en ce moment, très je souvent, crois. Très souvent, oui, surtout les Wagner. Et dernièrement, qu'avez-vous chanté et qu'allez-vous chanter prochainement ? Dernièrement, j'ai chanté les Valkyries et je pense rechanter la Valkyrie au début. Eh bien, je sais qu'en ce moment, très nombreux sont les étrangers qui viennent vous entendre. J'aimerais que vous nous fassiez le grand plaisir, aujourd'hui, dimanche, alors que beaucoup de Français sont chez eux, beaucoup de provinciaux sont à la maison, n'ont pas la possibilité d'aller à l'opéra. Eh bien, je voudrais que vous nous fassiez le grand plaisir de nous chanter quelque chose. Qu'allez-vous chanter? Car vous allez le faire. Je vais vous chanter le printemps de la Valkyrie. Et qui va vous accompagner? Monsieur Henri de Faust, chef de chant à l'opéra. Alors, nous écoutons.
passe-t-il dans son cœur? Pourquoi refuse-t-elle mon étreinte? Je sais dans son corps, tendu par le désir, son cesse gonfle. La tempête, j'avais raison de ne pas croire aux promesses d'un matin trop bleu. Une fois de plus, la chanteuse nous a dénoncé le malheur.
La pêche a été magnifique, les camarades ont emporté ma part pour la vente au marché de demain. Et j'ai gardé pour toi les plus belles pièces. À présent, raconte-moi Naïf, comment tu as passé ta première journée dans mon nouveau logis. On avait beaucoup à faire. Vraiment, et quoi donc? Je vois que le coffre n'est pas encore vidé, et tu n'as même pas ouvert l'armoire. La chambre est dans le même état que lorsque le vieux Claude l'a quitté. Et je crois que tu n'as pas perdu beaucoup de temps à faire la cuisine. Pour le travail, hélas, c'est un riche et noble seigneur qui seul serait digne de toi. Riche et noble seigneur. Oui, un homme qui pourrait te vêtir de soins et de velours, qui pourrait déposer un trésor à tes pieds qui te couvrirait de bijoux. Oh, si mon pauvre bateau de pêche était un beau navire, je t'emmènerais loin d'ici, bien loin, pour te faire admirer la splendeur du monde. Pauvre diable, je n'ai à t'offrir que mon amour et ma fidélité. Ce sont de bien modestes présents. Te suffiront-ils, mon aimé? Je dis que je t'aime. Je dis que je t'aime. N'aperçois pas le fait de la tôle. Oui, la passe est terrible. Par un temps comme celui-ci, nul ne saurait la franchir. Mais je suis tranquille, aucun bateau ne sortira ce soir. Et si pourtant, une fois qu'on est trêve, appelez à son secours. J'armerais aussitôt mon canon de sauvetage. Oh, tu devrais obéir au Seigneur. Naïque chérie, ma femme, comme tu es pâle, qu'as-tu donc? Je ne puis saisir ton regard, mes yeux me fuient comme un oiseau effrayé. Laisse-moi donc une seule fois regarder dans ton âme. Autrefois tu me regardais franchement, à présent
écoute. Rien, jamais couru un signal singulier. Non, ce n'est rien. Dans la pire tempête, je sais distinguer le moindre signal. Nous pouvons aller dormir tranquille. Mon feu, ne risque-t-il pas de s'éteindre? Non, mais pour calmer tes craintes, je vais l'alimenter. Oh,
va attiser le feu. Naïf, où es-tu donc? Que fait-elle? Elle brandit une torche vers l'est. Pourquoi serait-ce un signal pour qui? Partir, que faire, que faire?
on n'aperçoit pas les récifs. N'est-elle pas justement ce que cherchent les amoureux? Viens, viens voir avec moi et que ta peur s'envole. Grand voile, vite, vite.